honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, après la première rencontre solennelle tenue le 5 mars 2020, nous n'avons malheureusement pas pu nous réunir en 2021 à raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Je suis donc particulièrement heureux d'être devant vous, les élus et représentants du peuple ivoirien, pour ce grand moment de la vie de nos institutions et de notre pays, pour présenter l'état de la nation, partager notre vision et les grandes orientations du programme de développement de notre beau pays. Notre pays progresse chaque jour davantage. C'est le résultat de l'engagement et du travail de toutes ses filles et de tous ses fils. Et je voudrais vous dire que nous devons continuer de renforcer les fondements de la démocratie et de la cohésion sociale pour une paix durable. J'ai espoir et je suis persuadé que nous continuerons d'aller de l'avant dans la paix et la sécurité. Je vous remercie. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.